Alex, c'est un enfant, je dirais, hyperactif. Il se chicanait dans la cour d'école. Tout obligé d'aller rencontrer un psychologue. Puis là, on était rendu à la limite pour lui donner du Ritalin. Puis quand je voyais Alex aller jouer dehors, puis on allait patiner, on faisait du vélo, on faisait n'importe quoi, c'est ce qui l'a sauvé. Mon nom, c'est Pierre Harvey. Puis ma relation avec Alex, bien, c'est mon fils, mon petit bébé. J'étais content la journée que j'ai vu qu'il était meilleur que moi. Pour moi, c'était un cadeau. Là. Peut-être que même ça l'a motivé à pousser plus loin et dire, ben moi, mon père, il a fait ça, mais moi, je peux être encore meilleur que mon père. Puis j'ai pas besoin de vivre dans son ombre, vivre derrière mon père. Je sais qu'il passe 23 heures par jour entouré d'experts, puis lui a toujours pensé à s'améliorer. C'est déjà tellement étouffant, tout ce qu'il y a autour, que moi, j'essaie d'y donner un petit peu d'oxygène. Hein. C'est juste ça, mon rôle. Là. Je suis toujours content de le voir venir à la maison parce qu'à toutes les fois qu'il voit un groupe de sa famille rapprochée, on sent qu'il y a beaucoup de plaisir, ils s'agacent un l'autre, puis on voit pas le champion du monde. Je pense que c'est important d'être capable de redevenir une personne normale parce que sinon, la vie, c'est pas juste le ski. Là. Oui, le ski, ça compte, ça occupe 95 %, mais il y a un petit 5 % dehors que je dois préserver si je veux continuer. Je suis très, très fier de lui. Même, il m'émerveille souvent. Je me dis, tabarouette, il est donc ben bon. Puis voir son sang-froid durant la course, puis arriver à la fin, puis aller chercher ça, il m'impressionne. Justement, on avait un petit quelque chose à te montrer avant de terminer. Salut papa, c'est Alex. On est chez vous aujourd'hui. On vient de terminer notre journée de tournage. Puis je voudrais prendre le temps, mais juste pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi depuis mon tout jeune âge, de m'avoir fait goûter au sport, prendre plaisir à juste bouger, à être actif, sans jamais mettre de pression, sans me pousser à faire des choses que je voulais pas. Puis surtout, ben, le message que je retiens le plus de toi, c'est d'avoir du plaisir dans ce que je fais, d'avoir trouvé une façon de tourner ça au positif, autant dans le sport, à l'école, dans la vie en général. Fait que j'ai pris beaucoup de tirer beaucoup de leçons de la façon que tu as mené ta carrière, puis j'essaie de le faire de la même façon à mon image aujourd'hui. Fait que merci, puis ben, on va se voir en février. Oui, c'est bon. On dirait qu'on s'est parlé avant. Hein? Ça ressemble pas mal à ce que... Non, c'est bon. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le champ ni un ni l'autre. On se comprend bien.